Et ok ou pas, un petit décalage vers la gauche, j'avais pas vu. Hop et salut à tous, c'est Rukalkos, on est parti pour la suite de ce long play consacré à Final Fantasy VIII. Je vous avais laissé la dernière fois suite au tout premier épisode, hein, j'ai découvert Squalala, j'ai découvert qu'il passait un examen, j'ai découvert que les invocations s'est pété dans ce jeu, j'ai découvert qu'il fallait faire la guerre à un autre endroit parce que c'était notre examen. Et j'ai découvert que je dois rentrer à pied parce que des enculés viennent de partir avec la bagnole. Super. Enfin bref. Oula. Pas combat, pas combat. Bonjour. Vous êtes des étudiants de la BGU, non? Et la fête? Les préparatifs avancent? Ma nana et moi, on sera là avec nos musiciens. Ça va être génial. Même pas qu'il y avait une fête de fin d'année. C'est chouette ton uniforme. J'ai une super idée. Si on mettait ce genre de fringues pour notre concert. Boutique. Boutique. Madame. Madame boutique. Il y a un truc marqué shop. Agent de location, une promenade en pleine nature. La voiture de location, et là, c'est la solution. Oh, une berline. 3500. Voiture de location. On peut louer une voiture. On peut y aller à pied et défoncer les mobs. Mmh. Oh. Salut Zel, tu te portes bien? Oh, comme d'hab, toujours la pêche. Bien, n'oublie pas de passer faire un petit coucou à ta maman. Super, hein. Les ongles. Bonjour. Ça. Oh. Il avait déjà. Alors pourquoi tu me casses le cul à avoir un truc pas flou pour Dolem du Lab? J'ai rien compris. Je comprends rien à ce jeu. Je rappelle que c'est voilà une semaine, je découvre le jeu. Voilà, j'avais des GeForce et les invoques. Abuser sur abuser. Non, Zed n'a pas de magie. Et selfie. C'est quoi le calé? Ouais, c'est toi, Casson. Ah oui, c'est vrai que je suis limité niveau. Oh là là. Pas de tout. Non. Je pense qu'on peut en acheter de la magie. Mort de faim, la navette entre Trimber et Island pour la faire. Il y a trop de boulot, j'en ai assez. Trimber! C'est un peu différent, avec cet énorme écran au milieu de la ville, il y a plus d'argent à se faire. Mais c'est trop pollué et l'herbe me rend malade. Le mec est jamais content. Bonjour madame. Je m'appelle Ishtar. Je parcours les mondes pour surveiller et renforcer les différentes règles du jeu de cartes. Que veux-tu savoir? Ouh. Règles locales. Oh. Ah ouais, en fait, il y a des règles. Oh là là. Les règles suivantes sont acceptées à Balamb. Open. Pour 30 000 livres, je vais introduire cette nouvelle règle dans cette région. Identique. Veux-tu transmettre cette nouvelle règle? C'est abusé. Un petit souvenir avant de partir? On a tout. Potion. Potion. Et MT Psy qui annule le KO. C'est quoi ce FF où... Soit une poison, soit une darkness, fossile. Aphasie. Soit une zombie. Et j'ai plein de popos en plus. MT Psy, c'est Mother le truc. En 5. Jamais. J'arrive pas à avoir plus que 5000 gil. Les trains sont à l'heure. Peu de touristes arrivent à Galbadia. Après toutes ces années passées à ce poste. Ah bon, c'est pas fameux, fameux. C'est grand en plus. Y'a rien. Bonjour. Bienvenue au charmant hôtel de Balamb. Vous désirez une chambre, c'est 100 gives.
voilà. Il y en a un point de sauvegarde. Mais si j'ai gâché un spell, c'est pas grave. Donc, je rappelle que ce FF, enfin dans ce FF, le vol est autorisé. La prochaine fois, je dessinerai ce poisson. Papa m'a dit qu'il allait m'acheter une boîte de crayons de couleur. Ah, cette brise marine. Mais ça fait rouiller ma voiture, faudra aussi changer l'enseigne. Quel est le lien entre ta voiture et l'enseigne? Je ne comprends pas. Bonjour. Bon, ce FF a au moins quelque chose. Maman, je suis là. Vous avez quelle surprise? Où sont tes amis? Derrière moi, tu les vois. Ici, c'est chez moi. Alors, soyez polis avec ma mère. Salope. Bon, madame. Faites attention à mon zébulon. Il est chiant, madame. Il est pénible, madame. Ici, c'est ma cuisine. Ah si, un vieux numéro de Timber Maniac. Et non. Hé, hey, Squall! C'est ma chambre là-haut, mon sanctuaire, interdit d'entrer. Faut entrer quand il est pas là. Truc privé. Bonjour monsieur. Mes pauvres mains, elles se mettent à trembler. Je crois que je vais avoir du mal à continuer la pêche. Autrefois, j'étais le meilleur. Les poissons, j'en prenais 20 par heure. Le chat s'en souvient bien. Il ne reste plus que deux. Télé, rien. Bon, il n'y a rien. J'ai perdu plus de temps qu'autre chose. Let's go, les amis. Ça valait le coup de piquer la bagnole. Une guêpe! Pas de dégâts. J'ai oublié de faire des recherches pour savoir si... pour les Nunchaku. Ah ouais, il faut plusieurs coups maintenant pour les tuer. Même très vite. Hein. Ouais. On est rentré. Allons-y. Ouah. Enfin chez nous. Eh oui. Bon, j'imagine qu'on attend le résultat des épreuves. À plus tard, Squall. À tout à l'heure. Pas devant, du coup. C'est vous. La drogue. Coin. Oui. Squall. Trop soin. Salut les filles, ça va? Comment s'est passé ton examen? Je sais pas. Ah oui, c'est vrai que ce jeu est buggé dans le sens où les personnages passent au travers. Font absolument pas attention à moi. Oui. Eh hey, mais toi t'es apparu? L'école me fait trop flipper. Bonjour, quelqu'un veut faire une partie de cartes? Union groupe C. Vous avez entendu, il paraît que la vraie cible de Galbadia, c'est le centre de communication. Mais la tour est désaffectée. En plus, les signaux hertziennes, c'est nul.
ils veulent. Pour ta gueule. Mission accomplie, je crois qu'on a fait un bon boulot. Les candidats sont tous rentrés sains et saufs, non? Sauf que nous n'avions pas compris que l'armée galbadienne visait la vieille tour satellite. Nous venons juste de recevoir un message du comté de Dolette. L'armée galbadienne a accepté de se retirer à condition que la tour satellite soit réparée et réactivée. Bon, en tout cas, Galbadia ne nous posera plus de problème. On aurait pu se faire plus d'argent s'ils avaient continué à faire du grabuge. Voilà, c'est... Pardon. Bonjour. Qu'est-ce que tu as ressenti là-bas, sur le champ de bataille? T'es à l'aise? Je paniquais. Comme d'hab. Comme d'habitude. Mon dieu. À quoi ressemble ton quotidien, Squall? Baston! On va bientôt annoncer le résultat des épreuves. Reste par ici. Ouais, moi je veux bien. Toi, tu vas jouer aux cartes avec moi. Une petite partie? Ouais, pourquoi pas. Ah. Open, règle du vainqueur, won. Ok. Oh putain, un Ifrit à 8, 9, 6, 2. Fasse gaffe. Hein. Ok, je pense que je vais commencer par... Oh. Ah bon. Il me pique ma place pour lui. Non, merde. Si je lui prends, il me le reprend et c'est fini. Quelque chose, ouais. Oh, je l'ai. Ah, il me le prend là. Oh, je joue mal. Il a pas de plus que 6. Par contre. Par sur un 3. Rien pour gérer le 3 là-haut. Je vais les garder de côté. Ah, l'enfoiré. Ah, il a gagné. Trop nul. Égalité. Ah bon. Attends, on l'a refait. Lui, je le prends. Lui, je le prends, cette fois. Lui, je le prends. Prends. Moi, ok, je commence. Un 5 sur le côté, et moi, j'ai pas plus que ça. Attaque vers le haut. En bas, il a pas grand chose. À droite, il y a plus. Ah oui, il y a 2-4 là.
Bon, il peut partir sur 4 et j'ai. Pas sortir ma carte. Il n'y a pas de 6, hein. Pas gérer le 6 après là-haut. Je vais lui prendre. Je vais me le reprendre et je le reprends derrière. Je me prends avec la 5. Je vais partir sur la 4. Récupérer. Là, il a une 3, 4, 5. Et un 5 et un 6. Il part sur la 3 ou la 5. Bon, on va repartir sur une égalisation. Très bien. Ok. Ok, ex-aequo. J'ai gagné. Ah ouais, j'en ai 6. J'avais pas vu. Celle de l'eau. Oui. T'as raqueté. Vous voulez dire quoi sinon? Alors mon vieux, comment ça s'est passé? Bien, si je n'avais pas ce mal de dos chronique. Arrête, tu dis ça à chaque fois. J'aurais aimé être en meilleure condition physique. Qu'est-ce qu'ils disent tous? Je ne peux pas sauvegarder! Regardez! Non! Écoute, sérieux! Au moins dortoir, non? Pose dortoir. Je ne peux pas dortoir non plus! L'essentiel, c'est que personne n'a été blessé. M'en fous! Non, c'est les résultats qu'on continue! Je sais pas où je vais. Il est dans mon dortoir. Je me paume hein, au bout de ça. Il y a une semaine sans jouer, c'est fini. Je regardais ma rediff. Je suis con. Et moi, c'est par là mon dortoir. Je sais même pas comment enclencher la suite. On doit m'annoncer les résultats. Je vais pas bouger. Ah, ça, c'est la salle de classe. Et moi, mademoiselle. C'est pour ça que j'ai pas de copine en fait. Dès que je vois une femme, je fais ah, excusez-moi, j'ai pas le temps. Pourtant, ça aurait pu être génial. Comment charmer une fille? Excusez-moi, c'est par là les dortoirs. Je suis nouveau. Je passe mes examens, mais je suis nouveau. Là, j'ai sauté beaucoup de classes. Allez, annoncez-les les résultats là. Ouais, je sais. Hé, hey, tu t'en es bien tiré. Tout à fait, c'est mon meilleur élève. Ah oui, c'est là. Mais bon, il n'est pas très causant. Mais l'essentiel, c'est que personne ne soit blessé. Ouais, parle-en aux galbadiens. Tiens. Bon bah, quittons l'école, on va fuguer. Fermé. Edith, il est interdit de sortir en uniforme, il faut une autorisation pour ça. Sérieux? Je ne peux pas sauvegarder du tout. Vous me faites tout chier, col de merde. Mais à droite, je vais mourir comme une merde. Il y a un T-Rex ultra relou. Ah, c'était là, toi. Tu as entendu pour la tour satellite de Dolette? On serait devenu des héros s'il n'y avait pas eu cette horde de repli stratégique. Ah, c'est fait. Tu ne cherches que la bagarre. Ma très chère instructrice. Vous me blessez. Ce sont des mots cruels envers un jeune étudiant.
En tant qu'ex-prof viré, je vous déconseille de me critiquer. Sais faire, tu n'es pas encore tiré d'affaire. C'est sous ta propre responsabilité que tu as quitté la zone de combat. Salut, JD Balls. N'est-ce pas le devoir du chef de choisir la meilleure option? Tu ne seras jamais un Cid, et encore moins un chef. Boum. Il y a des cicatrices au verrou et c'est même pas foutu de répondre à une femme. Quand elle voulait le dire, l'eau, allez. Patate dans ta gueule, vas-y. La patate sur le dire, l'eau, la patate. Je te sens bien, là, vas-y. Vas-y, là, je te kiffe, vas-y. Ne faites pas ça chez vous. Safer. Tu répondras de tes actes devant le conseil de discipline. Oh, voilà. Lors d'un combat, nous devons tous respecter le code de conduite. C'est dommage, tu avais un potentiel. Mais il n'est pas viré, c'est un conseil de discipline, monsieur. Je ne veux pas faire de vous des machines de guerre. Je veux faire de vous des soldats qui pensent et agissent par eux-mêmes. Pas une bonne idée. Je suis... proviseur. Vous n'avez pas quelque chose à faire dans votre bureau? Il y a tant de choses à faire. Toi, t'es chelou. Madame. Ça sent l'homme, ça. Ça, c'est de, ça, c'est du masculin, ça. C'est un mec. Le CID n'est pas une organisation bénévole. On ne doit pas agir au-delà des termes d'un contrat. Cet incident servira de leçon au royaume de Dolé. Alors apprendra à être plus généreux quand il s'engage des Cid. Safer, ça va? Quoi? D'accord, d'accord, je te parle plus! 8. Les étudiants qui ont passé l'épreuve de terrain doivent se rendre au premier étage. Je répète, les candidats du test d'aujourd'hui doivent rejoindre le premier étage. Il y a des balls. Ça se voit que t'étais pas là la semaine dernière, j'y suis allé, j'ai rencontré un T-Rex et je suis mort comme une merde. Voilà, tu regarderas l'épisode précédent et tu kifferas. Parce que c'est ça que tu veux depuis le début. Je suis tout seul! Je vais retourner au premier étage que je venais tout juste d'y aller il y a 2 minutes. La musique n'est pas la même. Oula, oulala, oulala. Quelqu'un veut faire une partie de carte en attendant? Nya. Quoi? Nya. Quoi? C'est un AVC, qu'est-ce qui se passe? Nya. Avec moi, hein. Sur moustache. C'est ce que Fujin raconte. Si Safer ne devient pas un Cid, ce sera de ta faute. Fais flipper parfois. Ouais. Tendu là. Les résultats, hein. Il y en a qui me parlent même pas. On va y'a que toi qui es mon pote en fait. On va annoncer les résultats. Je stresse pas mal. Et toi? Ouf. Hey! T'as encore ce mal, regardez, il me passe au travers. Biche, zèle. Quoi? Génial! Allez, à plus les nuls! Préparation combat pour il. Squall, Squall équipe B. Avancez s'il vous plaît. C'est moi. Bon. C'est tout. Rompé. Fichier. Ce sont les 4 étudiants ayant réussi l'épreuve d'aujourd'hui. Félicitations, jeunes gens. Dorénavant, vous êtes des membres du CID. Vous allez parcourir la terre entière. Heureusement, sinon on ne pourrait pas jouer au jeu. Balland est fier d'offrir au monde le CID, l'élite des mercenaires.
Un Cid, c'est un guerrier. Toutefois, le combat n'est qu'une des multiples aptitudes d'un Cid. Un jour, vous découvrirez... Proviseur, l'heure de la réunion approche. Faites court, je vous prie. Tenez, tenez, au revoir. Préparation combat pour Hill. Le Cid constitue un atout précieux pour l'université. Sa réputation est entièrement intimement liée à chacun d'entre vous. Et votre conscience vous guide. Hop, c'est la version courte. C'est tout ce que vous vouliez dire, monsieur. Voici les résultats d'examen. Recalé. On vous a appelé tous les quatre pour dire que vous êtes recalé. J'attends la fête avec impatience. Oula. On va dire ça à une fille. Là, je dois faire ton mieux. Essaye de maîtriser tes émotions. Ouais. C'est pas con de lui dire. Rien à dire. Bravo, un adepte de la Gunblade. Vous aimez la Gunblade ? Bientôt, vous verrez la Keyblade. Ah merde, il est sorti. Et tout pour l'adoubement. Adoubé. L'adoubement décide. On paie les rangs. On se casse. Pédale. Bon, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oh. Il vous arrive. Il y en a une, c'est l'air. Lui, il a chaud aux fesses. Ça va, toi? Après 17 ans de galère, me voilà aux portes du bonheur. Hein? Quoi, Squall? Tu viens avec moi? Hé, hey, Squall! On retourne en cours? Mais qu'est-ce que t'as? Tu sais bien que c'est obligatoire pour chaque nouveau Cid, non? On doit tous faire un discours en classe, et ensuite, c'est le bal de la promo. Cid, Cid, Cid! Jamais aussi bien fait, donc. Safer. On voit son visage caché par une plante. Ouais, merci. Safer, arrête de faire ta lèche pour éviter le conseil de discipline, ça prend pas. Comportement 60 points, jugement 50, attaque 20 points, intelligence 0, manière 30, niveau Cid 4. En tant que Cid, vous serez payé à intervalles réguliers. Votre salaire sera déterminé par votre niveau de Cid. Ce grade évoluera en fonction de vos prouesses au combat. Certaines actions pourront vous faire baisser de niveau. Pardon ? Tu parles de niveau de Cid ? Je veux bien réduire de niveau pour repasser niveau 1 et avoir un niveau de mob assez faible, mais... Waouh ! Ça me rappelle Mont Blanc dans FF12. Les monstres de contrat de plus en plus durs. Ah, j'étais trouvé. Yeah. Allez, dis-moi franchement, qu'est-ce que tu en penses? C'est mon uniforme du Cid. Je sais, je suis désolé, je suis très long. Je découvre le jeu, j'en profite. Je vais dormir. Qu'est-ce que tu penses de mon uniforme? Je vais me coucher. Uniforme du Cid? Dormir. Jeu de merde. C'est pas grave. T'as vu, c'est mon uniforme du Cid à moi aussi. Ça me va pas mal, hein? Attention les yeux. Voici la reine de la nuit. Je la seule. Pas d'alcool. Encore c'est un verre d'eau. Salut! Ça va, Squall? Alors, on fait partie du Cid maintenant, t'es heureux? Ouais. C'est vraiment top! Même déguisé en Cid, tu es toujours le même. Un vrai guéluron, hein? Allez, salut l'introverti!
Hé, hey Zelle, tu veux faire une partie du comité d'organisation de la fête? Je vais faire partie, pardon. Désolé, j'ai un rendez-vous important, allez, à la prochaine! Je vois. Mais c'est Squall! Je vais faire partie du comité. Mais s'il te plaît! Fais chier. J'ai l'impression que tu dépenses beaucoup pour ça. Tu es d'accord? Je sais qu'on va être assez pris par le CID, mais la fête, c'est important. Ciao! Hey, ciao. Oh, ça fait comme FF4. On voit la lune. On va lui faire payer à Cypher. Les... Oh, c'est Tifa. Non. Ou de FF. Elle lui ressemble beaucoup. Bon, madame, mademoiselle, juste tu baises. C'est vraiment le plus mignon ce soir. Tu danses avec moi? Ah non! Laisse-moi deviner. Tu ne danses qu'avec tes amis. Personne. J'ai compris. Regarde-moi bien dans les yeux. Tu vas m'aimer. Tu vas m'aimer. Tu vas m'aimer. On n'est pas dans Star Wars. Tu vas m'aimer. Ça y est, tu es ensorcelé? Je suis surtout bourré, oui. Je ne sais pas danser. Allez, tu seras très bien. Je cherche un cavalier, je ne vais pas danser toute seule. J'ai un verre. Oh, dis-moi qu'il y a un passage où tu dois appuyer sur la bonne touche. Et sur Q. Ah, mon pied! Et sur W. C'est un clavier AZERTY, et il fallait jouer en QWERTY. Raté la main au cul, t'es trop nul. Mais genre, pourquoi c'est barré? Elle me force à danser pour se barrer parce qu'elle a vu quelqu'un d'autre. Non mais c'est quoi cette pourrigatée là? C'est vraiment un bon élève. Même cette danse était parfaite. Sérieux? J'ai bousculé quelqu'un, j'ai failli mettre la main aux fesses d'une fille que je connaissais pas. Moi je dois pas oublier Ondine. Ouais bah j'ai compris qu'il faut que je vole tout, donc t'inquiète pas. Je pense que je vais la récupérer, la Ondine. J'ai pas le choix, il faut que je vole. Je pique tout à tout le monde. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Tu refuses de me parler alors que tu danses avec une inconnue. Jalouse. C'était un hasard. Tu es ma formatrice et je suis ton étudiant. C'est un peu embarrassant quand on n'a rien à se dire. Tu es plutôt asocial, tu sais. J'étais timide, moi aussi. Oh, j'allais oublier. Tu me fais vraiment perdre mes moyens, Squall. Quoi? Yo. J'étais venu te donner un ordre. Amuse-toi. Nous devons nous rendre tous dans
tous les deux dans la zone secrète. Zone secrète. C'est l'endroit où les étudiants se retrouvent après le couvre-feu. C'est dans la serre de combat. Non, je me suis pas spoilé, que dalle. Que veux-tu faire là-bas? On va sanctionner les élèves pour violation du couvre-feu. Je ne veux pas m'en occuper. Je laisse ça au conseil de discipline. Coup de ma gueule à chaque fois. Écoute, va te changer et retrouve-moi devant la serre de combat. Allez! Il y a un T-Rex. Madame, il y a un T-Rex. Il y a un dinosaure. Pousse-toi si tu veux que je me change. Me changer et rendez-vous à la serre de combat. Et pourquoi? Côté le cul par un T-Rex. Pas compris. Changer de tenue. Tenue squal. Voilà, tenue squal, très bien. Sauvegarder parce que j'en ai marre des cinématiques à refaire. Et je suis toujours tout seul, c'est ça? Ok, donc je vais être avec ma tutrice. Ah bah ça va peut-être aller beaucoup mieux. On va les défoncer, les T-Rex. Marchez, marchez, marchez. Ah, depuis le début, c'était tout au fond derrière. Je dois aller là-bas. Je connais. Là, 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 là. Je suis touriste. Je suis pas un élève qui est en train de niquer le règlement. Là, là, là. Mais il s'en fout. Il est en train de dormir sur son chapeau. Zone verte. La seule zone où il n'y a pas de templiers. Bon, je peux pas me tromper. Salut. Est-ce que tu as affronté le T-Rex dans la serre de combat? Je ne sais plus. Alors, rappelons-nous. Dans une vie antérieure, je me suis fait bouffer. Ouais. Ensuite, je suis revenu. J'ai fait tout le tour de la serre. Je l'ai réaffronté. Je ne l'ai pas tué. J'ai fui. Voilà, je résume. Il n'est pas difficile à vaincre si tu utilises tes défenses et tes attaques mentales. Tu trouveras une explication détaillée dans le tutoriel. Putain. Association mentale. Renforcez vos attaques et vos défenses mentales en associant. C'est un putain de T-Rex! Je vais pas faire! Oh là là, ta mère suce des bites, nanana, oh là là, mouah. Le T-Rex, crise cardiaque. En utilisant une GeForce qui a appris les capacités attaque mentale et défense mentale. Bien, j'en ai pas. Dans ce cas, la ligne blanche en face de HP est activée. Ouais. Appuyez deux fois sur flèche gauche. Pour accéder à l'écran des associations mentales. Les associations mentales fonctionnent comme les associations élémentales. Encore un autre truc, putain, il y a trop de trucs à équiper. Sélectionnez une attitude vigueur, défense, vitesse. Puis la magie que vous souhaitez y associer. C'est cité, bien sûr. Remarque. Les forces élémentales, comme feu, ne peuvent pas être associées. Des trucs, etc. La magie mentale modifie différemment les capacités d'attaque et de défense. En associant de la magie attaque mentale, vous renforcez vos attaques mentales. Ça veut dire, je crois que j'ai compris, tu mets ces cités sur ça, tu frappes le T-Rex, il est aveugle. C'est pété. Le pourcentage indique les chances de réussite de l'attaque renforcée. On est d'accord. Ok, j'ai 90% de chances de le rendre aveugle. Le sacré T-Rex. Dans cet exemple, vous avez 90% de chances de réussir une attaque avec la magie de ces cités. Mais ça veut dire qu'il est possible de mettre soin. Il est possible que certains ennemis résistent, même si votre pourcentage est au max. Ouais. En associant de la magie à défense, vous renforcez votre protection mentale. C'est-à-dire que Morphée, ça veut dire que j'ai une résistance de 80% à l'endormissement. Vos défenses sont indiquées en pourcentage. À 100%, votre mental ne peut pas
a priori, être affecté. Évidemment, l'adversaire peut avoir une attaque mentale supérieure à 100%, ce qui fait que ça te nique un peu ton pourcentage, non? C'est pas ça? Dans cet exemple, les effets de Morphée, blablabla. Toutefois, même à 100%, certains ennemis peuvent vous endommager. Oui, ils peuvent me blesser, tu veux dire. En fonction des capacités de vos G-Force, associez différents types de magie à votre défense mentale. Ça signifie que je n'ai qu'une défense mentale, ça veut dire qu'il est spécialisé dans « je te peux aveugler, endormir ou autre en attaquant, mais je peux résister qu'à un truc. » C'est dommage. Un bon petit ruban et c'est bon. Les sorts comme Esuna protègent globalement votre mental. Essayez diverses combinaisons pour un meilleur résultat. Choisissez Auto pour associer les magies mentales de la meilleure façon possible. Ah là, plutôt mourir, je pense que... Utilise Morphée contre le T-Rex. Pour cela, associe Morphée à la fonction attaque, puis attaque-le. Ah, on va l'endormir, c'est encore mieux. Viens, on va rejoindre la zone secrète de la serre de combat. Allons-y. Pourtant, j'ai enlevé. Voilà les PV et t'es vivant, quoi. Associer... Alors on va associer non pas les GF, les magies en appuyant deux fois sur ce truc, on met. Ok, j'ai pas de. Et Shiva et Ifrit. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je peux même pas associer, c'est Elkatou. C'est Alop. Il va piquer mes monstres. Associer. Bon, c'est toi qui vas endormir. Hein. Pas de magie. Non. 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 Ah non, pas ça le jeu. Pas ça. Non. 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 Putain. Oh, j'ai pas envie de me retaper du tutoriel. Je vais re-sauvegarder et je vais réfléchir parce que là, j'ai... Ah, tu sais quoi, on va rencontrer T-Rex, on va fuir. C'est un bon plan, ça. Ça marchait très bien quand tu m'expliquais pas. Mais j'ai pas ce qu'il faut. Hein. Ah, c'est super. J'adore ce jeu. Mais il est cohérent, déjà. C'est ça qui est bien. D'habitude, quand on fait ce genre de truc, bon, ça veut aussi dire que je vais encore me coltiner Zelle et Selfie. La mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas du tout. Je peux pas te désassocier. On va voir. Ah si, ils sont là! Oh putain! Rends-moi ça! Putain, c'est compliqué. Ils sont à côté! Ah non, finalement, ouais. Bon, c'est à moitié cohérent parce qu'ils sont pas à côté. Putain! Ah putain le bordel. On squale. Dans le doute on va tout donner. Je donne Ifrit. Ouais ouais, pour l'instant on touche pas. On va associer Quisty. Bon. Ensuite, squale. On va associer les GF. Non, pas les GF, les magies. Et là, je ne peux pas. Je n'ai pas les statuts mentales, je ne peux pas. Je n'ai absolument aucun monstre qui peuvent le faire. Énorme. Bon, bah, on va faire... on va auto. Poudre soin glacier, très bien. Oui, si. Toi, tu peux, non? Non, ça veut dire que j'ai aucun G-Force qui peut faire le plan d'attaque de ouf parce que je suis un abruti. Bon, bah... Hein, j'ai la flemme. Je ne vais pas re-sauvegarder. Alors, pour... Ouais, on va éviter la carte. On va prendre de... Défense A, magie A. Ah d'accord.
Vigueur défense. Ça sert à rien. Non! Bah, tu l'as l'attaque élémentaire! Ah oui, c'est attaque élémentaire, c'est pas. Oh là là. C'est vrai qu'au bout de 45 minutes. Bon. Je joue avec une manette. Non, je suis sur mon clavier. Bon, on va à gauche. Hein. À droite, il y a le T-Rex. À gauche, on est bien. À gauche, j'ai pas vu grand chose. Il n'y a pas de T-Rex. Quand on verra le T-Rex, ben on fuit. Hein. Je peux toujours pas gérer parce que je suis une sous-merde. C'est moi qui ai modifié. Tu boostes comment TG Force quand il attaque? C'est rien. Merde, bah ça secrète, nickel. Hop. Hop. On n'est pas coincé, donc je peux toujours utiliser la même sauvegarde. Là, on peut y aller. Voilà, pas de T-Rex, rien. Il y a longtemps que je ne suis pas venu ici. Il y a une cancre avant. Ah, c'est la zone des amoureux. Ça veut dire qu'il y a un T-Rex qui se balade et eux, ils font l'amour ici. Fuck la logique. Quelle heure est-il ? On a juste passé plus de temps à trouver une strat alors qu'il n'y a pas de T-Rex. Minuit est passé. Là, t'es devenu clocharde. Un cendrillon. Eh ben. Moi, Quisty Trep, je suis désormais plus professeur. Je vais partir du CID maintenant. On va peut-être travailler ensemble. Ouais. Rien de foutre. Peut-être bien. C'est tout ce que ça te fait. Il en a été décidé ainsi, on doit respecter cette décision. Il est encore pire que Cloud. Beaucoup moins social. On m'a dit que je n'étais pas faite pour diriger. Quand t'as été prof. J'étais une CID à 15 ans, j'ai eu mon diplôme d'instructeur à 17. Ça a fait seulement un an. Ça veut dire que t'en as 18. Où est mon erreur? J'ai fait de mon mieux. Tu m'écoutes? Terminé. J'ai pas envie d'en parler. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur tes déceptions et tes angoisses? Mais je ne te demande rien. Je veux juste que tu m'écoutes. Je suis incapable de te réconforter. C'est quoi cette scène horrible? C'est pas grave. Écouter, c'est déjà beaucoup. Parler, écouter, tout ça, c'est inutile. On est seul. Je n'ai pas envie de porter d'autres fardeaux que le mien. Pas faite pour diriger. Peut-être ont-ils raison. Le qui est mal fait là. Gauche. Je veux bien qu'on peut faire des crises d'épilepsie, mais son œil. Il y a des vidéos pour la fin de la PlayStation 1. Ça va quand même. Le chemin du retour. Et là, le T-Rex est un boss et je suis bien baisé.
pas de T-Rex. Oh, c'est des mignons. Ah, c'est pas si méchant que ça. Tapez. Comment ça, t'as pas de... Y'a un problème. J'ai pas attaché la GeForce Acoustic. Ah, ou sinon je l'ai attaché mais j'y ai pas mis des compétences. Bravo. Deux PDC. C'est bien pour s'entraîner ici. Beaucoup de PDC. Associé quand même. Hein. Acousti. Capacité. Donc on va utiliser voler. GeForce. Magie. GeForce. Pas d'habilité parce qu'il n'y en a pas encore. Combat! Ils sont trois. Oh, patate. J'aurais pas aimé. Oh, double patate. Les frites. Ghoul. Arrêtez avec vos patates. Bill. Sur les yeux. Bleu. J'espère que le poison c'est pas éternel. Level up. La poudre de Morphée. Petit PDC, GeForce Golgotha, GeForce Shiva, GeForce Apri HPA. Esuna. Voilà, on abuse un petit peu quand même. C'est lequel qui a déjà pris? Interpassé en invoque 10. J'ai perdu le... Et à Magigla. Turbo, HP, GF. Ah ouais, donc en fait, au fur et à mesure, ils vont apprendre des nouveaux trucs encore. Oh là là, ça finit pas du coup. Oh là là. Alors que c'est pas ça. J'aime bien avoir toutes les cartes pour voir. C'est pas grave. Quelle sauce. A l'aide. Voilà, vite. Oh, une grosse guêpe. Voile, Quisty. Mais non, mais là, il reste 6 minutes. Il reste 6 minutes. Oui, un boss. Mais c'est pas un T-Rex, ça. Oula. Eh, on se calme, là. Oh. Il y a des coups de joue et tout. Merde, faut que je vole. J'ai oublié de voler. J'ai pas volé. Je sais pas ce que c'est que ces monstres.
Attendez, faut que je vous vole. Putain, le con. Oh, j'espère que je vais pas perdre ce que je pense. Mob que je connais pas. Moi, quand je vois un mob, je le tue. Il y a des morts. Et il y a trop de morts. Je crois qu'il va en invoquer d'autres. Parce que là... Tant pis. J'étais trop vite. Il y a quand même beaucoup trop de... Je me permets un truc. Hein. Il y a beaucoup trop de manipulations à faire entre les persos. Ils doivent se donner les spells, etc. Ça reste assez hardcore. Aïe. Voler. Voler. Voler ça. Stocker. Voler. Voler ça. Blindage, ok. Non, je sais ce que c'est, que ça m'intéresse pas trop. Go go ta. J'y va. C'est peut-être bien pour la défense, ça. Ah, oh bah j'ai eu le temps de lui voler un truc avant qu'il meure. Bah c'est bien. L'honneur est sauf. J'espère que c'était pas les autres mobs qui lâchaient un truc rare que je pourrais plus avoir. Pas d'XP. Ah, il est pas si donne rien. Rock Féeric. 14! C'est dangereux ici. Fichons le camp! Ok. Qui était-ce? Et donc ce sera devant... Non, c'est bon. Pas l'entrée en fait. Et donc ce sera. On pourrait être sûr parce qu'il y a peut-être combat, mais je pense pas. Voilà, ce sera à cet endroit que je vais faire la première coupure. A tout de suite, les gens.